C'est un endomorphisme. On fait l'image d'une base et en signal de degré inférieur ou égal à 2 et on appelle E0, E1, E2. Bon, ils disent pas que c'est la base canonique, mais ils appellent ça une base de E. Mais bizarrement, E0 c'est la fonction qui a x associé, enfin qui a t associé 1. E1 c'est la fonction qui a t associé t et E2 c'est la fonction qui a t associé t carré. Oui. Oui. Ah. Donc soyons clairs, cette base E0, E1, E2, c'est la base canonique. Je choisis juste de leur donner un nom pour que ce soit un tout petit peu plus simple à écrire et pas qu'on soit obligé d'écrire x flèche, x carré par exemple à chaque fois. On considère alors l'application phi qui a un polynôme P de E associé, donc la fonction phi de P qui est définie par, pour tout x appartenant à R, phi de P de x, c'est l'intégrale de 0 à 1 de P de x plus t. Et on nous demande de montrer que phi est linéaire. Donc allons-y, on va le faire ça. Donc clairement, juste, j'allais écrire quelque chose, mais on va revenir en arrière. Phi de p est bien encore une fois défini par un phi de p de x pour tout x appartenant à R. On rajoute donc encore une fois un quantificateur de plus. Donc on va dire pour tout alpha appartenant à R, pour tout P1, P2 appartenant à E2, et on va rajouter le quantificateur parce qu'il y en a besoin dans ce cas précis, pour tout x appartenant à R, phi de P1 plus alpha P2 de x, à quoi c'est égal. Encore une fois et toujours, vous pouvez mettre deux lignes qui ne servent à rien, mais si vous en avez besoin, tant pis. Ça fait du phi de P de x, ça fait de l'intégrale de 0 à 1 de P de x plus t dt. Et maintenant qu'on a écrit ça, je vais repartir un tout petit peu sur la gauche pour avoir juste un tout petit peu de place. Oh. Ça fait du P1 plus alpha P2 de x plus t dt. Ce qui fait, j'espère que ça va se reconnecter, sinon je le fais à la fin du calcul. P1 de x plus t plus alpha P2 de x plus t, le tout dans la même intégrale dt. Ça, c'est juste, j'applique ma fonction. Appliquer ma fonction, une combinaison de fonctions en un point, c'est appliquer chacune des fonctions en un point. Et maintenant, j'utilise encore la linéarité de l'intégrale pour pouvoir dire que ça, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de p de x plus t dt plus alpha fois l'intégrale de 0 à 1 de p2 de x plus t dt. Et ceci, ça fait donc bien. Voilà, très bien Marie. Il y a le 2x à pas oublier, plus alpha de phi de p2 de x, ce qui implique que on a bien phi de P1 plus alpha P2 qui est égal à phi de P1 plus alpha phi de P2. Alors je vais juste retourner maintenant que j'ai fini ça. Désolé. Ah, j'étais carrément d'accord. Bon bah. Rebonjour, est-ce que vous m'entendez cette fois? J'ai été déconnecté. Pas l'impression que ça marche. Bon, on va refaire une tentative de je coupe ça, je ferme ça, je quitte ça et je relance le tout. Ah oui, mais comme j'enregistre, oh, on va voir si ça marche.
Alors, j'ai été déconnecté, j'ai tenté de me reconnecter complètement. Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc vous avez été déconnecté assez tôt, je l'ai entendu pendant que je faisais mon calcul. J'ai terminé mon calcul avant d'essayer de vous reconnecter. Je pensais que ça allait tenir, enfin, ou que ça allait revenir. Mais bien sûr, c'est pas le cas. Donc je vais vous mettre à l'écran le partage du calcul, mais désolé, on n'a pas eu, enfin, vous n'aurez pas pu assister au calcul. Donc c'est bien la fenêtre 2 que je veux partager. Ah, donc juste au-dessus, il y a juste les deux lignes pour pouvoir calculer phi de P1 plus alpha P2 de x, qui était le moment, je pense, où ça a déconnecté. Ah, donc j'ai juste écrit ces lignes-là pour finir le calcul, qui prouve bien que l'application est linéaire. Ça va, vous avez bien récupéré le partage? Oui, c'est bon. Ok. Allons-y. Donc ça prouve que l'application est linéaire. Donc moralement, on n'a pas calculé la moindre intégrale ici, hein, c'est quand on va faire des calculs sur des vecteurs qu'on va devoir le faire. On remonte, une fois qu'on a prouvé qu'elle est linéaire, il vous demande de déterminer phi de E0 de x, phi de E1 de x, phi de E2 de x en fonction de x, puis écrire phi de E0, phi de E1 et phi de E2 comme combinaison linéaire de E0, E1, E2. Donc encore une fois, c'est bien, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice, il n'est pas très très dur, mais c'est un exercice, je trouve, qui est très bien rédigé. En termes de vous forcer à bien expliquer la différence entre phi de E0 de x et phi de E0, qui n'est pas la même chose. Phi de E0 de x, c'est le réel associé au polynôme. Donc ce qu'on veut, c'est une égalité de vecteurs, donc une égalité de polynôme. Donc on veut l'égalité sans les x à la fin. Mais tous les calculs, bien sûr, se font à x fixé, sinon ça n'a pas de sens. Donc allons-y. Donc je crois que c'est un B, hein. On veut commencer par faire phi de E0 de x. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de E0 de x plus t dt. Je remets là en cas de doute, mais E0 de t, c'est la fonction qui vaut 1. Qu'est-ce que ça vaut ce truc-là? Ça n'a rien à voir avec un calcul intégral. Est-ce que vous savez composer une fonction? Ça fait quoi E0 de x plus t, quel que soit le réel x? Noix, ça fait 1, ouais. Parce que la fonction E0 de t, quel que soit le réel t, fait 1. Donc E0 de x plus t, ça fait forcément 1. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 dt, ça fait 1. Alors, il nous demande, juste après, on va le faire tout de suite pour ce calcul-là, de l'exprimer ça en fonction de... Il va falloir exprimer phi de E0 en fonction de E0, E1, E2. Donc j'ai remis E0 là, mais je peux aussi remettre E1 de t, ça fait t. Et E2 de t, ça fait t carré. Comment je peux exprimer ça en fonction de E0, E1, E2? Hugo? Bah, c'est sous forme de matrice. Comme là, c'est sous du 1, c'est du 0, 0, 0, 0. Par rapport à t puissance 1, en mode x puissance 1, par rapport au degré. Alors tu m'as dit beaucoup de zéros là, c'est ça que j'ai un doute, mais il y aurait combien de zéros? T'es en dimension combien là? Bah, on voit jusque t carré, du coup, bah, ça serait du 1, 0, 0. Oui, ok. Alors, je suis d'accord avec ce que tu cherches à faire et cherches à dire, Hugo. Mais, à ce moment-là de l'exo, on a une application linéaire, on ne sait pas encore que c'est un endomorphisme. Donc on ne sait pas encore que l'arrivée... Donc là, on est à l'arrivée. On ne sait pas encore que c'est dans R de crochet X. Donc je ne peux pas parler de coordonnées à l'arrivée pour le moment. Mais par contre, je peux parler que ce que tu voulais dire, donc ce qu'il voulait dire, Hugo, c'était que ça, c'est égal à ceci dans la base canonique de R de crochet X. Moralement, c'est ça que tu veux dire. Donc, puisqu'ils ont choisi dans ce sujet d'appeler les vecteurs de la base canonique, et ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce serait ça direct. Pris en x, attention, c'est un peu particulier comme notation, mais ce serait ça le sens. Le sens est quand même là. Ici, ils ont choisi d'appeler cette base E0, E1, E2. Donc en fait, le 1 qui est là, c'est juste E0 de x. Vu que
ça, c'est, on a la fonction E0 de t qui vaut 1. Et on veut du x parce qu'à gauche, ça ne dépend plus de t. Et de toute façon, une intégrale en dt ne dépend pas de t, ça dépend de x. Donc ça, on peut le voir comme du E0 de x. Donc on se retrouve avec phi de E0 qui vaut E0. Ensuite, continuons les calculs. Phi de E1 de x. Ça fait l'intégrale de 0 à 1 de E1 de x plus t dt. La fonction E1 de t valant t, là il n'y a pas trop de difficulté, E1 de x plus t, ça fait juste x plus t dt. À ce moment-là, on utilise la linéarité de l'intégrale. X ne dépend pas de t. Donc je vais pouvoir faire x fois l'intégrale de 1 dt plus l'intégrale de 0 à 1 de t dt. C'est juste la linéarité de l'intégrale. X, je peux le voir comme x fois 1, parce que c'est une constante. Donc l'intégrale de 1 sur 0 à 1, ça fait juste 1. L'intégrale de t, là, faut peut-être primitiver quand même, ça fait du t carré sur 2 à prendre entre 1 et 0. La version finale, ça fait du x plus 1 demi. X plus 1 demi, je peux l'exprimer comment à partir de E0, E1, E2 de X. Amélie? Alors c'est du X plus 1 demi de E0 de X. Je suis d'accord avec la deuxième partie, mais la première partie aussi, on peut l'exprimer. On veut plus de X en fait. C'est E1 de X plus E2 plus 1 demi de E0 de X. Parfait. On a décomposé le deuxième vecteur. Faisons le troisième calcul. Phi de E2 de x. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de E2 de x plus t dt. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de x plus t le tout au carré dt. Donc pour ça, vous m'appliquez votre formule du binôme ou votre identité remarquable. Je m'en fiche royalement de ce que vous faites pour me calculer x plus t le tout au carré. Mais ça, vous devez savoir que ça fait du x carré plus 2xt plus t carré dt. Ensuite, on applique la linéarité de l'intégrale là-dessus. Ça fait x carré fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 dt plus 2x fois l'intégrale de 0 à 1 de t dt plus l'intégrale de 0 à 1 de t carré dt. Ça fait du x carré fois 1. Cette intégrale-là, on l'a déjà calculée. Le deuxième morceau, l'intégrale de t dt. Je vous rappelle juste quelque chose. Là, je vais juste pointer sur le calcul. Mais l'intégrale de t dt, elle était écrite ici, là-haut. On l'a donc calculée là. L'intégrale de t dt, elle vaut 1 demi. Donc ici, quand je recalcule la même chose, ne perdez pas trop de temps à la recalculer. Ça fait forcément 1 demi. Par contre, l'intégrale de t carré, on ne l'a pas calculée. Donc il faut se rappeler de la primitive de t carré. C'est toujours la même règle ici, hein. C'est juste du t puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça fait du t cube sur 3 à prendre entre 1 et 0. Donc au final, ça me fait du x carré plus x plus 1 tiers. Et ça, je peux le réexprimer en fonction de E1, E2, E3, E0, E1, E2, pardon, ça va faire... Ça fait Athénaïs, ça fait du E2 plus E1 plus 1 tiers de E0 de x. Alors je me rends compte que j'ai oublié de passer une ligne avant, on va le faire ici, mais c'est pas très grave. J'avais écrit tout à l'heure que phi de E0, ça valait E0. Le calcul là-haut, phi de 1, il est encore en haut de l'écran. Phi de E1 de x, ça valait E1 de x plus 1 demi de E0 de x. Donc phi de 1, ça vaut E1 plus 1 demi de E0. Et ensuite phi de E2 via la dernière ligne qui est là, ça vaut donc E2 plus E1 plus 1 tiers de E0. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe là? La deuxième non, c'est la question d'après, c'est la question 1C.
Je reviens, je vais remonter dans mon sujet pour vous relire la question, mais c'est cette méthode-là que je voulais refaire sur un exemple simple. Déduire des questions précédentes que phi est un endomorphisme de E. Donc on vient de calculer l'image des trois vecteurs de base. L'image des trois vecteurs de base s'exprime en fonction des trois vecteurs de base. Donc ce qui veut dire que l'image des trois vecteurs de base est dans R2 crochet X. Oui, Ethan? Justement, non. C'est là toute l'importance de cette notation. C'est qu'on a fait le calcul quel que soit x appartenant à R, par exemple ici, la ligne du haut, c'était du phi de E2 de x. Puisque les réels sont égaux pour tout x, ça nous dit que les fonctions sont égales. Donc ça, c'est une égalité de réel qui implique l'égalité des fonctions. Et justement, ce qu'on va remplir dans la matrice, les vecteurs en jeu, ce sont les polynômes. Donc ce sont les fonctions. OK? Ah, donc c'est la même méthode, encore une fois. Bon, ce qu'il faut remarquer du calcul précédent, c'est que on a phi de E0, phi de E1, phi de E2, je peux mettre des crochets, enfin des parenthèses autour de tous les trois pour faire un triplet, qui sont dans R2 crochet X tous les trois. Or, comment on va s'en servir de ça? C'est le principe qu'on a fait hier matin. Pour tout P appartenant à R2 crochet X. Pour montrer endomorphisme, je dois montrer que phi de P est dans R2 crochet X. Comment je fais? Premier argument. Amélie? Pardon, j'ai pas compris. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On décompose dans la base ou c'est une combinaison linéaire de E1, de E0, E1, E2. C'est exactement ça. Ici, c'est une combinaison linéaire. Donc ça, ce qui veut dire, enfin, encore une fois, parce qu'on a une base de R2 crochet X. Donc ça, on peut l'écrire phi de, et là, on peut mettre des vrais chiffres, tout simplement, alpha E0 plus bêta E1 plus gamma E2. Pas besoin forcément de sigma pour trois termes. Oui. Qu'est-ce que tu mettrais comme phrase? Parce qu'il y a trois arguments. Donc si ta phrase contient les trois arguments, je pense que ça doit passer, mais il faut qu'elle soit claire et qu'elle contienne les trois arguments. Déjà, ça marche pas vu que tu viens de me dire que l'ensemble de départ, c'est une famille. C'est vect de 0, 1, 2, si tu veux. Oui. Ça, c'est une belle phrase qui veut dire je sais que c'est vrai, donc je dis que c'est vrai, donc c'est vrai. Non, mais. Oui, c'est donc tout vecteur P. Donc la phrase, une phrase, ce serait tout vecteur P s'exprimant en fonction. Tout vecteur P au départ s'exprimant en fonction de E0, E1, E2. L'application étant linéaire et les images étant dans R2 crochet X. Et les images, enfin la combinaison linéaire des images étant stable par structure d'espace vectoriel, l'image est forcément dans R2 crochet X. Cette phrase fait office de travail. Je pense que pour l'avoir clair et net, faire les trois lignes de calcul, ça coûte pas très très cher. Donc ça, avec ce qu'on vient de dire, ça fait alpha phi de 0 plus bêta phi de 1 plus gamma phi de 2. L'argument ici étant que phi est linéaire. Le troisième argument, maintenant, c'est que on peut même, il n'y a même plus besoin de ligne de calcul, ça appartient à R2 crochet X. Car R2 crochet X stable par combinaison linéaire. Voilà.
Est-ce que ça va pour cette méthode? C'était juste pour l'avoir sur un exemple simple, je voulais le faire. Vu qu'on a fait les calculs, ça n'a pas coûté très cher, on va remplir la matrice. Donc je vais le faire là en 2A. Matrice dans la base E0, E1, E2 de phi. C'est un phi, un truc horrible là. Voilà. C'est une matrice 3-3 et on a les vecteurs là-haut. Hugo ? Ah, j'ai oublié de faire une phrase de conclusion, c'est peut-être ça. J'ai oublié la phrase de conclusion ici, c'est donc phi est un endomorphisme. De R2 crochet X. On vient de prouver que. On a déjà prouvé qu'elle est linéaire avant. On vient de prouver que pour tout P appartenant à R2 crochet X, phi de P appartient à R2 crochet X. Donc ça, ça prouve bien. C'est la définition de c'est un endomorphisme. Oui, Amélie ? Non, la linéarité, ça te dit juste que l'image de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Mais ce qui assure le fait que quand tu fais alpha fois un premier polynôme plus bêta fois un deuxième polynôme plus gamma fois un troisième polynôme, c'est dans R2 crochet X, c'est parce que R2 crochet X est un espace vectoriel. On a déjà parlé. Si à la place de R2 crochet X, je suis obligé de définir un ensemble qui serait faux, hein, qui marche pas justement, qui serait l'ensemble des deux crochets X, qui serait le fameux ensemble des polynômes P tels que le degré de P est égal à 2, exactement égal à 2, ça c'est pas un espace vectoriel des deux crochets X. Parce que si j'additionne le polynôme X carré avec le polynôme moins X carré plus 1, j'obtiens 1, et c'est pas un polynôme de degré exactement égal à 2. Donc si je ferais ça dans, imaginons, donc j'aurais, je vais dire n'importe quoi, j'aurais une base de cet espace vectoriel là, même, enfin j'aurais une base de cet ensemble là. Je pourrais dire je décompose mes vecteurs, mes éléments dans cette base, ça aurait du sens. L'application serait linéaire, je pourrais quand même passer à travers l'application, mais puisqu'en faisant des combinaisons à l'arrivée, c'est pas stable par combinaison linéaire, mon concept ne marche pas. Tu vois l'intérêt du troisième point, Marie ? Oui, en fait, j'irai même plus loin. Vous pouvez tricher sur l'ordre des questions. C'est-à-dire que cette méthode, si plus loin dans l'exo, on vous demande de remplir la matrice. Si on vous demande de remplir la matrice, c'est que vous allez devoir calculer l'image de chacun des vecteurs de base. Il n'y a pas le choix. Donc, à la limite, à cette question-là, vous pouvez calculer les images de vos vecteurs de base et appliquer cette méthode-là. Ça prouve, quoi qu'il arrive, que c'est un endomorphisme. Et donc les calculs seront déjà faits pour remplir la matrice. C'est d'ailleurs pour ça ici que je vais le faire à moindre coût, parce que on a, et je veux le faire là dans le coin, c'est juste parce qu'on a les réponses là-haut. Je vais pas mettre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a sur le côté. C'est quoi la première colonne? Qui veut me la remplir, la première colonne? Amélie? Parfait. La deuxième? Parfait, il y avait un sens, c'était justement pour ça, mais comme tu avais mis le 1-0 dans le bon sens, il n'y avait pas trop de doute, mais c'est ça, et donc forcément la dernière c'est 1 tiers, 1, 1. Mince, j'ai mal fait mon exo, enfin j'ai mal fait mon cours. J'aurais dû faire cet exo, et là dire pause du cours, calculez-moi cette matrice-là à la puissance n. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai demandé en question de cours. Hein. C'est juste qu'au lieu d'avoir 2, 2, 3, c'est 1 demi, 1 tiers et 1 hors diagonale. Oui ? Par 3 ? La 6 plutôt. Ouais, c'est un vrai concept qui peut t'éviter les fractions. Faut juste, alors c'est toujours le même problème. Il y a deux points sur lesquels en calcul en général vous avez des soucis. C'est les fractions et le deuxième point c'est les puissances.
Et le problème, c'est que de faire ça, tu vas retomber sur des techniques de puissance. Mais si tu es plus à l'aise sur les puissances que sur les fractions, faut faire comme ça. Non, non, mais justement, alors parenthèse pour ça, mais moralement, juste pour expliquer, si on la multiplie par 6, on se retrouve avec cette matrice-là. On se retrouve avec cette matrice-là. Et donc, moralement, on va se retrouver avec une matrice qui s'écrit 6 fois l'identité plus une matrice nilpotente. Et donc, quand on va faire la formule du binôme, quand on va faire A puissance N, entre guillemets, on va se retrouver quelque part avec un 6i puissance n. Quand je dirais les règles de puissance, c'est que là, il ne faut pas oublier qu'il y a un... Et il y a même un sixième là-dedans. Donc A puissance n, enfin A puissance n, il y a aussi devant tous les calculs, il y aura un sixième puissance n aussi devant tout. Donc là, il y aura un sixième puissance n du 6, du 6n puissance, du 6 puissance n in. Et maintenant, une fois qu'on va redévelopper ce dernier crochet, on va bien retomber sur le in, i à la puissance n qu'on aurait eu ici. Il faut juste que ce soit cohérent, c'est ça que je veux dire. Je vais en profiter, j'ai dit que j'arrêterai à la question de A, mais la question de B, elle m'intéresse juste pour un truc, c'est qu'on a fait quelques exemples de ce truc-là, mais pas assez, c'est pas très très dur du tout. Mais refaisons un exemple en plus, ça coûte pas cher. La question de B, c'est justifier que phi est un automorphisme de... Alors encore une fois, ça c'est première chose à dégrossir, c'est quoi ce mot de vocabulaire? Qu'est-ce qu'il faut prouver pour prouver que phi est un automorphisme? Automorphisme, ça veut dire endomorphisme plus bijectif. Donc maintenant, il faut prouver que cette application linéaire, elle est bijective. On est en dimension finie, on a une matrice, comment on prouve que l'endomorphisme, il est bijectif? Alors on peut revenir à injectif surjectif, mais on a la matrice, c'est beaucoup plus simple que ça. Ou même en dimension finie, on a des caractérisations. Je sais que la caractérisation, je vous l'ai dit, par rapport à l'image et par rapport au noyau. Mais en dimension finie, et je ne l'ai pas mis dans les trucs à apprendre par cœur là, mais on a une caractérisation encore beaucoup plus simple en dimension finie. Mathéo ? On regarde si la matrice est inversible. Qu'est-ce qu'il suffit de regarder pour vérifier si la matrice est inversible ? Le rang. On va juste essayer de regarder le rang de cette matrice. Oh, comme ça va être dur, oui. Rang de A, si j'appelle A, ou je ne vais pas l'appeler A, elle ne s'appelle pas A, je vais l'appeler rang de la matrice. Dans E0, E1, E2 de phi, c'est le rang de la fameuse matrice 1, 1, 1, 1 demi, 1 tiers, 1. Oh là là, comme c'est dur. Il y a déjà les trois marges d'escalier tracées directement pour nous. Cette matrice est triangulaire supérieure à diagonale non nulle. Elle est de rang plein, donc enfin de rang 3, elle est inversible. Égale 3. La matrice est inversible. Donc l'endomorphisme. Et bijectif. Ça conclut, hein, pas besoin de finir la phrase, hein. Ça veut dire que vous avez traduit ce que ça veut dire automorphisme. Et si vous en avez besoin, c'est un automorphisme. Oui, Noa ? Complètement. Trop haut niveau pour nous pour le moment ici, mais c'est ce que vous allez faire à tour de bras l'année prochaine. En fait, dès que la matrice est triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure, les nombres sur la diagonale sont nécessairement les valeurs propres. Donc à partir de là, puisque le 0 n'apparaît pas sur la valeur, il n'est pas valeur propre, c'est bijectif. Rappel de caractérisation aussi, pour qu'une matrice soit de rang plein, il faut que son noyau soit réduit au vecteur nul. C'est le théorème du rang qui nous le force, ça d'ailleurs maintenant. Ah, il faut que le noyau soit réduit à 0. Si le noyau est réduit à 0, ça veut dire que quart de A moins 0 fois l'identité est réduit à 0, ce qui veut dire que 0 n'est pas valeur propre, instantanément. Donc c'est du vocabulaire qu'on peut tourner. Encore une fois, il n'y a pas grand chose de plus que mouliner le vocabulaire dans tous les sens possibles, et c'est une autre façon d'écrire la même chose. Mais en une seule phrase, ça c'est possible. Parfait. L'endomorphisme est bijectif.
Pas besoin de faire la suite. Alors c'est juste pour vous le montrer, hein. La suite, on va pas le faire, mais la suite, la question 3 et la question 3B, c'est calculé à puissance n. Sauf qu'au lieu de vous le faire par le binôme pour une fois, ils vous font montrer un petit calcul par récurrence pour trouver une suite un et calculer la suite un en faisant un calcul de somme. Rien de très très méchant. Ça change, c'est juste c'est pas la même méthode. Allez voir le corrigé de cet exo, je vous ai mis la référence en haut si vous savez pas le faire. Sinon le TD il y a 2 semaines, je vous avais demandé à peu près le même genre de choses, sauf qu'il y avait une suite récurrente linéaire d'ordre 2 dedans. Voilà pour cet exo. On l'a fini. On va attaquer le gros morceau que je voulais faire aujourd'hui, c'était ça. Cet exo, faut qu'on arrive à le faire en entier. Il est vraiment très 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 bien si on arrive à le faire en entier. Il y a des vraies idées du début à la fin et j'aimerais bien faire un deuxième exo sur le même genre de notion juste après. Et après, je vous embêterai plus avec la dimension n. Mais il faut aller ouais, jusqu'à l'avant-dernière. Et du coup, si on a été jusqu'à l'avant-dernière, c'est la dernière qui coûte pas très cher et on peut la faire. Ah! Allez, bon, tant pis. Hop. J'ai tout à peu près à la suite. Donc, on se place dans Rn crochet. Oui, Mathéo. Complètement. Le rang. Vu que, justement, reparlons. Les valeurs propres ne sont pas liées à la matrice. Les valeurs propres sont liées à l'endomorphisme, en fait. Maintenant, on peut dire ça. Puisque les valeurs propres sont liées à l'endomorphisme, puisque pour qu'une matrice, enfin une application soit bijective, il faut que 0 ne soit pas valeur propre, c'est valable dans n'importe quelle base, donc pour n'importe quelle matrice. Donc toutes les matrices d'un même endomorphisme sont de même rang, forcément. Et donc forcément toutes les matrices d'une matrice, enfin toutes les matrices d'un endomorphisme bijectif sont toutes de rang plein, quelle que soit la base. Donc même sur la première matrice, pas diagonale, pas rien du tout, si on fait le rang de cette matrice-là, dans un exo classique, on peut prouver derrière directement si l'endomorphisme est bijectif ou pas. Allons-y, montrer que phi est une application linéaire. Donc phi, c'est l'application qui est là, exactement comme l'exo qu'on vient de faire. Je maintiens en dimension n quelconque, donc en fait c'est pas en dimension n, c'est en dimension n plus 1 en fait tout le temps. Ce sera des polynômes, parce qu'on peut faire un calcul générique. Mais du coup, avec vos nouvelles notations, si vous prenez malheureusement des vieux bouquins, et malheureusement même les nouveaux bouquins pour vous, parce qu'ils n'ont pas tous été traduits, là par exemple, je vous ai traduit le sujet, parce que avec la notation Rn crochet petit x que vous avez, les notations du sujet de base ne sont pas la même chose. Ce qu'on notait avant dans un ancien sujet, on aurait noté ça phi de p égale 1 sur n grand x 1 moins grand x p' plus xp. Donc, c'est juste pour vous dire ça, et c'est pour ça que je réinsiste et je réinsiste et je réinsiste sur ça. Vous avez la surcouche dans tous les espaces de polynômes de la notation fonctionnelle, qui n'est pas très très lourde, mais juste pour dire qu'il faut rajouter dans tous vos calculs, hein, là je ne l'ai même pas mis, j'aurais dû le mettre, mais hein, que tous vos calculs vous les faites pour tout x appartenant à R, et ensuite vous enlevez le x, comme on vient le faire pour l'exo d'avant. Donc qu'on soit en dimension 3, en dimension 4 ou en dimension 10 000, pour les polynômes, c'est la même chose. Donc allons-y. Quantifions. Pour tout alpha appartenant à R, pour tout P1, P2, appartenant tous les deux à Rn crochet X. Pour tout X appartenant à R, phi de P1 plus alpha P2 de X est égal. Je vais me permettre, comme j'ai voulu me mettre là au milieu, d'essayer de le faire en une ligne. Donc je vais essayer de traduire directement. Je passe pas par mes deux lignes intermédiaires. Pas besoin d'une parenthèse devant x du coup. Ça va me faire du x1 moins x. P1 plus alpha P2 prime de x. Plus x fois
P1 plus alpha P2 de X. Donc ceci, je vais pouvoir le réécrire. 1 sur n, x1 moins x, p1 de x, plus x, p1 de x. Et vous avez peut-être un peu plus de place que moi, mais moi ça va être sur la même ligne, enfin sur la ligne du dessous, mais pour faire la même ligne, plus alpha fois 1 sur n, x1 moins x, il manque un prime ici, excusez-moi, p2 prime de x, plus x, p2 de x. Et donc là, j'ai bien mes deux morceaux. Je peux bien réécrire que ça, ça fait du phi de P1 de x plus alpha fois phi de P2 de x. Ah, je vais conclure plus bas, mais je vous laisse noter le calcul. La conclusion, c'est bien entendu que... Donc, bah, j'ai le fini là. Donc... Phi de P1 plus alpha P2, ça fait bien phi de P1 plus alpha fois phi de P2, phi est linéaire. Alors, maintenant on va faire une petite pause sur l'exo pour essayer d'avancer dessus, pour essayer de comprendre ce que je vous ai dit l'autre fois, que la méthode des degrés c'est la bonne méthode, mais... Il y a des fois où ça marche pas. Typiquement, l'autre exo précédent. Si je remonte un peu sur mes exos et que je reparle de l'exercice précédent. La notion de degré avec une fonction de x plus t dont on fait une intégrale sur 0 à 1, ça marche pas bien cette règle de degré. Parce que bah vous avez pas. Il y a une sorte de composition, mais avec deux variables, puis une primitive. Enfin, vous n'avez pas de bonne règle de degré avec ces opérations-là dans votre chapitre polynôme. C'est pour ça qu'ils vous ont fait passer par la fameuse méthode avec les combinaisons linéaires que je vous ai expliqué en fin d'heure jeudi. Ici, vous avez l'endomorphisme qui est là. Je vais essayer de le recopier un peu plus bas, sinon je vais m'y perdre à chaque fois. Il faut que je fasse un copier-coller juste de ça. Hop, CTRL-C. Hop. Relever. Génial. Donc c'était phi de x qui valait 1 sur n x 1 moins x ou x moins 1, c'est 1 moins x je crois. P prime de x plus xp de x. Ok. Essayons d'appliquer la règle des degrés là-dessus. Le c'est pas phi de x. Le membre de gauche c'est phi de p de x. Le degré de phi de p, c'est le degré... Alors, je vais un tout petit peu vite, mais... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL-Z. Je vais aller un tout petit peu vite, mais est-ce qu'on est bien d'accord qu'il y a une somme? Donc, je vais mettre directement pour gagner une ligne plus petit que max du degré... Bah, premier temps du polynôme 1 sur n, x1 moins x, p' de x... Et l'autre, c'est le degré de xp de x. Est-ce qu'on est bien d'accord que le degré 1 sur n, ça joue pas sur le degré, j'ai x1 moins xp prime. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est 2 plus le degré de p prime? Et l'autre côté, c'est du 1 plus le degré de p à cause du xp. Et donc ça, si je fais ma règle, ça me fait du max de... Alors je détaille un peu, mais ça fait du 2 plus degré de P-1, 1 plus degré de P. Et donc ça, c'est plus petit que le degré de P+1, mais si P est degré N, c'est plus petit que degré... N+1. Donc si vous partiez d'un polynôme de degré inférieur ou égal à n, vous obtenez un polynôme de degré inférieur ou égal à n+1. Avec cette règle-là, on ne prouve pas la stabilité. On ne prouve pas que c'est dans le même ensemble. On prouve que Rn crochet x, par l'application, c'est inclus dans
Rn plus 1, crochet x. Ça ne suffit pas à prouver endomorphisme. Est-ce que vous comprenez le fait que ça marche pas, ça, ici? Amélie? Avec le max ou de, alors de celle-ci à celle-ci ou de celle-ci à celle-ci? Non, de la... En descendant? Ouais. Alors, là, tu as un produit de... Donc, la première règle, la règle du max, c'est la règle de la somme. Tu es d'accord? Là, la règle qui permet de passer à ici, c'est la règle du produit. Quand tu fais un produit de polynômes, si tu fais le produit de 3 polynômes de degré 1, tu obtiens un polynôme de degré 3. C'est-à-dire qu'on ajoute les degrés. Donc ça, c'est de degré 1. Ça, c'est de degré 1. J'ai donc dit que ces deux polynômes-là ensemble, ça fait un polynôme de degré 2 que j'ajoute au degré de P'. Et de l'autre côté, à cause du seul x ici, ça fait 1 plus le degré de P. Donc ça, c'est la règle du produit. J'aurais pu mettre à côté de ma ligne, si je veux vraiment expliquer bien, par somme. Et là, c'est tout simplement par produit. Voilà. Donc, est-ce qu'on est bien tous d'accord que ça suffit pas? Est-ce que vous comprenez bien que cet argument-là suffit pas? Donc, soyons clairs, hein, c'est pathologique. Hein, c'est la seule application que je connais sur laquelle, et l'autre de l'intégrale, mais parce que c'est des règles de calcul bizarres, mais c'est un exo un peu particulier. Où les règles de degré, de la règle du degré ne marchent pas. 100%, 99% du temps ailleurs, ça marche, la règle des degrés. C'est la bonne méthode, c'est ce qui va le plus vite. Donc la règle du degré ne marche pas. Donc maintenant, reprenons le sujet. Le sujet ne va pas vous dire appliquer ça et montrer que ça ne marche pas, c'est moi pour vous expliquer. La question 1b, c'est justement de calculer phi de x donne x puissance n. Pourquoi juste celui-là? Je redescends sur ma règle des degrés. Puisque le degré d'un polynôme de degré n, ça va jusqu'au degré n plus 1, en fait, il y a plein de polynômes qui ne posent aucun problème. Si je pars non pas d'un polynôme de degré n, mais d'un polynôme de degré n moins 1 ou n moins 2 ou n moins 3, la règle de degré de p plus 1, si j'étais parti d'un polynôme de degré n moins 1 ou n moins 2 ou n moins 3, ça m'aurait fait ici quelque chose de globalement plus petit que n, et j'aurais pas eu de problème avec mon règle de degré. Donc le seul polynôme qui pose problème, c'est tous les multiples du polynôme x puissance n, en fait. Donc c'est pour ça qu'en 1b, ils vous font faire le calcul de ce polynôme-là particulier. Alors on va le faire, le calcul. On va faire l'image du polynôme qui a x associé x puissance n pris en x. Oui. Parce qu'en fait, ici, le problème, c'est que en n, c'est le degré, c'est n plus 1. Voilà, c'est exactement ça. Égal à n globalement. Et donc le problème vient juste si tu mets degré de p égal n, t'es d'accord? Si degré de p là-dedans il vaut n-1 ou n-2 ou n-3 ou n-4. Ça c'est parce que ouais, ça c'est juste parce que p appartient à rn crochet x. Mais s'il était dans rn-1 crochet x ou dans rn-2, ça irait en fait. Mathéo, t'as une question? Ça répond à rien. C'était pour vous expliquer pourquoi on va pas passer par cette méthode-là ici. Et pourquoi il vous envoie vers une autre piste. Ça prouverait qu'on a un endomorphisme. Ah, ça n'a pas prouvé la question 1C. Je vous ai dit que cette méthode de combinaison linéaire, elle marche tout le temps quand vous avez les images des vecteurs de base, mais qu'elle est plus longue que la méthode des degrés. Mais que dans certains cas, la méthode des degrés ne marche pas. C'est le cas où ça marche pas. Ouais, quand vous allez relire et que vous allez tout oublier ce que j'ai dit, hein, effacer ça hein, pour pas qu'on vous dites mais à quoi sert cette inégalité. Donc allons-y. Donc le polynôme c'est 1 sur n x x moins 1 fois p prime de x. Donc je dois dériver mon polynôme, ça me fait du n x puissance n moins 1. Et ensuite on dit c'est du x fois p, du x fois x puissance n. Et vous allez voir pourquoi ça va pas poser de problème et qu'on va quand même... Oui Mathéo. Ah, c'est pas x moins 1, c'est un moins x ici. Merci Mathéo. Je m'en serais rendu compte dans 10 secondes quand ça se simplifiait pas. Mais au moins, ça va me faire gagner un peu de temps.
Donc on est bien d'accord ici que les n se simplifient vu qu'ils sont en multiplication. Et d'ailleurs, c'est à ça que sert ce 1 sur n. Si j'avais pas mis le 1 sur n, ça ne marcherait pas. Donc ça, ça va me faire du x moins x carré que multiplie x puissance n moins 1 plus x puissance n plus 1. Et donc ça, ça me fait du x puissance n moins x puissance n plus 1 plus x puissance n plus 1. Et c'est parce qu'on avait le 1 sur n qu'il faut, etc., que le terme en x puissance n plus 1 ici se simplifie avec le terme en x puissance n plus 1 ici. Et donc l'image de x puissance n, ça fait tout pile x puissance n. Et donc il n'y a pas... En fait, il ne va pas y avoir de problème. Si on a des termes de degré inférieur ou égal à n moins 1, ils ne gênent absolument pas. Le terme de degré n, lui, par règle de degré simple sans faire les calculs, il pourrait poser problème. Mais parce qu'on s'est arrangé avec le 1 sur n et toutes les constantes, bah on passe pas au degré n plus 1 en fait. Donc on va être stable par combinaison linéaire. Donc c'est le seul calcul qui vous demande ici. Hein. Donc c'est là où on va passer à la méthode globale. La question 1C montrait que phi est un endomorphisme. Donc allons-y. Comment on va montrer que phi est un endomorphisme ? Je vais l'écrire de deux façons. Je vais écrire la version courte et la version optimale pour avoir une rédaction la plus courte, mais qui, je pense, n'est pas la bonne rédaction si l'exo continue et si l'exo vous demande la matrice de l'endomorphisme. Or, remontons dans le sujet. L'exo, la question d'après, c'est déterminer la matrice de l'endomorphisme. Donc, je pense, moi, qu'il est préférable de passer par la méthode, la deuxième méthode que je vais proposer. Oui. Oui. On n'a pas écrit linéaire. Et du coup, là, comme c'est le degré, c'est xn, du coup, bah, c'est inférieur ou égal à xn, donc c'est xn, donc c'est bon. Du coup, on doit juste mettre une phrase, c'est un endomorphisme. Ah non, parce que là, tu l'as prouvé pour xn, tu l'as pas prouvé pour n'importe quel polynôme P. Donc, mais faisons-le. Donc, attention. Ce que je vais appeler méthode 1, ce que je vais appeler, c'est rédaction optimale, mais dans le sens, elle va être courte. Mais c'est encore une fois un truc que vous aimez pas trop et de haut niveau. En utilisant les degrés. On est bien d'accord qu'on a quand même fait un petit calcul tout à l'heure qui nous a montré que degré de phi de p est plus petit que degré de p plus 1. Vous êtes d'accord que ce calcul-là a été fait? Donc allons-y. Pour tout p appartenant à Rn crochet x, comment on peut écrire un polynôme p? Un polynôme p, vous pouvez l'écrire somme pour k égale 0 à n des ak x puissance k. Ok, et on va devoir le faire juste après pour la méthode générale. Mais je vous l'ai déjà dit, écrire un tel polynôme, c'est lourd. Quand on n'a pas besoin des deux types d'infos. Ce qu'on a besoin, nous, comme type d'infos, c'est le terme de degré n. Et ensuite, tout ce qui est de degré n moins 1 ne va pas nous embêter. On l'a déjà fait dans le chapitre polynôme. Quand c'est ça, on peut réécrire Pn de façon plus intéressante. On pourrait écrire que Pn, ça peut s'écrire An x puissance n. Plus, ouais, alors plus q, q de x avec degré de q inférieur ou égal à n moins 1. Ce qui nous permet de dire que ça, c'est tout ce qui ne nous embête pas. Donc, entre guillemets, cette ligne-là, elle est même pas dans la rédaction optimale, cette ligne-là, elle est même pas obligatoire. C'est juste pour vous rappeler qu'on peut faire ça et que ça marche et que ça découle de ça. Maintenant qu'on a fait ça, P de x, ça vaut ça. Donc, phi de P de x, c'est égal à, par linéarité de phi, ça va faire an de phi du polynôme qui a x donne xn de x,
plus phi de Q de X. Donc ça, ça fait AN X puissance N par la question 1B. Mince, plus phi, il manque un Q de X. Pardon. Donc le 2... Ah bon, je vais le faire comme ça, c'est fait. Mais, ok, on s'en fout. Allez. CTRL Z. Donc le degré de phi de P, par somme, c'est plus petit que le max du degré de x donne x puissance n et du degré de phi de q par somme. Et donc c'est plus petit que le max de le degré de x donne x puissance n, c'est n, le degré de phi de q c'est plus petit que le degré de q plus 1. Et le degré de Q plus 1, il est plus petit globalement que N. Donc globalement, le degré est plus petit que N. Donc phi est un endomorphisme. Si votre exo s'arrête là et s'il n'y a pas d'histoire de matrice, vous ne pouvez pas faire mieux que ces 3-4 lignes-là. Ce sera ce qu'il y a de plus rapide. Mais puisqu'on va vous demander dans le reste de l'exo, la matrice... Pourquoi essayer de faire une rédaction avec des règles que j'ai déjà essayé de vous faire apprendre en vous disant mettez dans un polynôme Q tout ce qui vous gêne. Je suis d'accord, on l'a déjà vu. Mais au vu de votre qualité de restitution de la question de cours sur les polynômes de Tchebychev, je dirais que le niveau de maîtrise de cette question, il est de 0,0005%. Donc... Faisons plus simple, faisons des méthodes qu'on répète plein de fois et qui marchent tout le temps, et appliquons la règle qu'on a fait jeudi en fin d'heure et qu'on vient de faire dans l'exo précédent, qui, elle, va s'appliquer dans pas mal de situations. Donc, allons-y. Méthode 2. Je vais appeler ça endomorphisme par l'image d'une base. Alors, on a déjà que phi donne xn, ça fait xn. Donc maintenant, on va aller calculer quel que soit k entre 0 et jusqu'à n-1 maximum. On va aller calculer l'image de phi donne x puissance k. Alors, comment ça marche? Notre fonction, c'était 1 sur n, x1 moins x, fois la dérivée de x puissance k. Donc ça fait du k x puissance k moins 1. Plus x fois le polynôme. Alors, là, il y a moins de simplification. Je vais devoir garder le 1 sur n devant. Ça va me faire du x carré... c'est du x moins x carré, pas du x carré moins x. X puissance k moins 1 plus x puissance k plus 1. Le x, si je développe le x carré moins x, là, ça va me faire un 1 sur n x puissance k moins 1 sur n x puissance k plus 1 plus x puissance k plus 1. Donc ça me fait un terme en 1 sur n x puissance k. Et je peux regrouper les deux autres termes. Je me retrouve avec un 1 moins 1 sur n, x puissance k plus 1. Oui, Noah. J'ai oublié... j'ai oublié un k entre la première et la deuxième ligne. Merci. Merci, ouais. Ici, en facteur, il y a un k, ce qui fait qu'à cette ligne-là, il y a un k ici, et il y a un k ici, ce qui fait que ça me fait du k sur n, et du 1 moins k sur n.
Et ce qui m'arrange en fait, parce que là j'aurais eu très très peur, c'est-à-dire que si j'injectais k égale n à la fin, ça marchait plus mon calcul. Ah, maintenant si j'injecte k égale n, j'ai exactement le même calcul que ce qu'on a obtenu tout à l'heure pour xn. Donc en fait ça marche pour tout hein, ce calcul. C'est juste que ce coefficient-là, et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, ce coefficient-là devient nul quand on pose k égale n, et ce qui faisait simplifier les calculs tout à l'heure. Ok. Donc on a calculé l'image. Donc ce qu'on peut dire, c'est que donc phi de x donne x puissance k, ça appartient clairement à Rn crochet x. Au final, quel que soit k appartenant à 0n, phi de x puissance k appartient à Rn crochet x. C'est le point essentiel de notre preuve. Donc maintenant, on peut refaire toujours la même chose. Donc, quel que soit p appartenant à Rn crochet x, phi de p, c'est égal à phi de la somme pour k égale 0 à n des ak. Oui, puisque je ne leur ai pas donné de nom E1, E2, là je suis obligé de mettre dans phi, je suis obligé de multiplier ça par une fonction, donc par un x flèche. Ça c'est parce que ça c'est à cause de la notion de base canonique. Je décompose dans la base canonique. Encore une fois, j'utilise que phi est linéaire. Donc ça, ça fait la somme pour k égale 0 à n des ak phi de x donne xk. Maintenant que j'ai écrit ça, ceci, ça appartient à Rn crochet x. C'est la preuve qu'on vient de faire juste au-dessus. On a montré que phi de x donne x puissance k, c'est dans Rn crochet x. Et donc tout ça, ça appartient à Rn crochet x. Car Rn crochet x, espace vectoriel. Ou stable par combinaison linéaire, c'est la même chose. Donc moralement, la méthode pour prouver endomorphisme coûte pas beaucoup plus cher avec cette deuxième méthode. Ce qui nous a pris du temps à coûter un peu plus cher, c'est vraiment cette partie-ci, je remonte un tout petit peu, mais c'est la partie calcul de phi de x donne x puissance k. Donc si on ne vous demande pas ce calcul-là, c'est pour ça que la première méthode a du sens, mais si on vous le demande plus tard, faites-le, c'est fait pour plus tard. Oui Mathéo. Parce qu'on a déjà fait en question 1b, on avait fait ça pour en 1b. C'est juste pour ça que j'ai changé le quantificateur, pour faire une phrase générique et pour pas avoir à changer. Sinon j'aurais dû faire une distinction encore une fois entre le degré n et les autres degrés. Mais c'est pas très intéressant. Ok. Donc elle est linéaire cette application, c'est un endomorphisme. Donc on demande en question 2 de trouver la matrice. Donc encore une fois, on n'en a fait qu'une pour le moment. Je vais renoter phi de x donne x puissance k de x. On vient de dire là-haut que ça valait k sur n x puissance k plus 1 moins k sur n x puissance k plus 1. Alors c'est un peu lourd en notation. Je vais le noter de deux façons. La façon si on ne se donne pas de lettre, et ensuite je vais poser tout simplement la lettre EK, c'est la fonction qui a x donne x puissance k, ce qui donnera des lettres un tout petit peu plus faciles. Mais si on ne se donne pas de lettre, ça dit donc bien, vu que j'enlève le x qui est là. La différence c'est qu'ici il n'y a pas de x ici, il n'y a rien. Donc s'il n'y a pas de x ici, c'est pas un truc en x, c'est une fonction. Donc en fait c'est k sur n fois la fonction qui a x donne x puissance k, plus 1 moins k sur n, la fonction qui a x donne x puissance k plus 1. Ce qui est un peu lourd à noter, ce qui vaut mieux noter, c'est que phi de k
Et à mon avis, pour un tel exo, à chaque fois, ils vous donneront que la base canonique, on va la noter E0 jusqu'à EN. Ça fait K sur N, EK, plus 1 moins K sur N, EK plus 1. Et maintenant que vous avez ça, on peut remplir la matrice. Et encore une fois, j'ai fait ça en bas de page. Donc ça va être chiant pour... Je vais le recopier ça en haut de l'autre page. Je vais recopier cette ligne-là qui m'intéresse, en espérant qu'il me le copie bien, cette andouille. CTRL-C. Nouvelle page. CTRL-V. Alors, il y a juste un truc qui est passé en trop. Voilà. Alors. Non, c'est trop haut, je pourrais pas. On veut écrire la matrice dans la base E0 jusqu'à EN de phi. Donc on va mettre là-haut phi de E0. En général, je vous conseille de mettre les deux premières colonnes pour voir à peu près comment ça se passe. Plus loin, on va mettre phi de EK. Si je veux détailler, je vais mettre phi de n moins 1, ça c'est pas obligatoire, c'est pour faire un peu de zèle. Et phi de n, ça paraît important, et tout ça, ça va se décomposer bah, en fonction de E0, clairement en fonction de E1. On va voir par la force des choses, ça va se décomposer en fonction de E2. Vu mon calcul en EK, je vais clairement faire apparaître EK et EK plus 1. Et plus loin, bah, je vais faire apparaître au moins... En moins 1 et En. Mais en fait, on va voir que je vais avoir besoin aussi de En moins 2. Donc, phi de E0. Bah, phi de E0, je vais refaire le calcul, mais c'est juste je remplace K égale 0 hein, pour qu'on s'en rende compte. Phi de E0, ça fait 0 sur N. Plus. Enfin, 0 sur N, je vais quand même marquer E0 plus 1 E1. C'est 0 sur n E0 plus 1 E1. Donc phi de E0, ça fait E1. Donc la première colonne, c'est d'abord un 0, puis un 1, puis un 0. Oui, ça, ça restera tout le temps, tout le temps. C'est juste qu'il faut généraliser, il n'y a pas le choix, il faut mettre des trois petits points. Ou des traits pour expliquer la même chose. Phi de 1. Phi de E1, c'est 1 sur N E1 plus N moins 1 sur N E2. Donc je me retrouve avec un 0, 1 sur N, N moins 1 sur N. Je vais peut-être l'écrire droit celui-là pour qu'on voit mieux. N moins 1 sur N. Et en dessous que des 0. Donc je continue. En EK, je n'ai aucun terme jusque EK. Donc j'essaye, en fait j'aurais pu mettre EK moins 1 au-dessus pour montrer ça. Mais le terme en EK, donc clairement c'est marqué là. Ici j'ai du K sur N. Et en dessous j'ai du 1 moins K sur N. Alors je vous invite à essayer de faire des petits traits pour essayer de repérer votre correcteur à quelle ligne vous avez mis quoi. Et en dessous, j'ai de nouveau des 0. Phi de n, on l'a calculé. Phi de n, ça valait x puissance n. Donc phi de n, il y a un 0 là. Et, enfin, il y a un 1 tout en bas et tout le reste, c'est des 0 pour phi de n. Phi de n moins 1, je ne l'ai pas calculé. Je vais le calculer là quelque part pour qu'on le sache. Mais phi de n moins 1, ça vaut n moins 1 sur n e n moins 1 plus 1 sur n e n. Donc l'avant-dernière colonne, ça va me mettre du 1 sur n ici, du n moins 1 sur n juste au-dessus, et en, partout au-dessus, je vais avoir des 0. Dernière chose, mais ça c'est plus pour, encore une fois pour suivre, cette diagonale-là, en fait, c'est cette diagonale-là qui finit ici, et alors que cette diagonale, enfin, elle va là et elle va ici, hein. Et l'autre diagonale, c'est celle qui va, enfin la sous-diagonale derrière, c'est celle qui va de ici à ici. À ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec comment on a rempli cette matrice ?
Comme je vous l'ai dit, c'était un classique avant. Je pense que maintenant ça devient un truc dur pour vous ou que ça va même être envoyé sur les sujets un peu plus durs. Donc c'est borderline de ce qui est encore faisable. Donc on le fait quand même, comme ça on l'a vu. Mais à quel niveau ça va retomber, je vous le garantis pas. Non, t'avais levé la main, Simon ? Il va sur le 0 et pas sur le 1 tout en haut. Merci, ouais, il y a un petit bug là-haut, je suis d'accord. Il doit pas aller sur le 0. Hein. Il doit aller sur le 1 juste au-dessus. Voilà, merci Simon. Oui Yanis ? C'est la question 1B, c'est un calcul qu'on a fait là-haut. Est-ce que ça vous va ? Alors, on arrive sur une sur encore une fois, mais c'est là où je sais pas où veut aller le programme. Enfin, si où veut aller le programme, il a gardé la même chose et point, et vous devrez savoir la même chose. Et donc, puisque le programme n'a pas changé sur ces points-là de matrice, c'est pour ça que c'est encore limite. On va faire l'étude du rang. L'étude du rang de la dernière fois, ce qu'on avait fait pour la matrice. Qu'on a fait jeudi matin, c'était qu'elle avait une diagonale non nulle, elle était triangulaire supérieure, donc elle était de rang plein, cette matrice était de rang n plus 1. Ce cas-là, quand vous aurez des matrices nn, il va rester. On monte encore d'un cran ici en difficulté. Quel est le rang de la matrice qui est là ? Oui ? Quel est le rang de cette matrice ? Baptiste ? Pourquoi n-1 ? Et donc on perd un rang, c'est ça ? Je suis d'accord avec toi, mais ta réponse est fausse. Oui, donc on perd un rang à cause de ça. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc le rang de cette matrice, et c'est pour ça que c'est des pièges ce genre d'exo, le rang de cette matrice, c'est donc n, parce que Rn crochet x est un espace vectoriel de dimension n plus 1. On va pas de phi de E1 à phi de n, on va de phi de E0 jusqu'à En. Donc ça va être ça la réponse, ça va être n. Mais comment on rédige cette histoire de « il y a une ligne de 0, on perd un rang », on n'a pas expliqué le reste. Alors, comment on l'explique proprement ? Ça, on va juste le dire comme ça. On a le rang de phi qui est égal à la dimension de l'image de phi. Avec l'image de phi, on est bien d'accord que c'est un sous-espace, donc ça, c'est inclus dans Rn crochet x. Donc clairement, ça, on sait déjà que le rang de phi, c'est un nombre inférieur ou égal à n plus 1. Une fois qu'on a dit ça, on peut dire ce que vous m'avez dit qui m'apparaît tout à fait correct. La matrice ayant une ligne de 0 le rang de phi est inférieur ou égal à n. On va forcément perdre un rang par le fait qu'il y a une ligne de 0. Je pense que ça, on vous embêtera pas là-dessus. La question, c'est comment vous allez me justifier que le rang est supérieur ou égal à n maintenant. Moralement, pour des matrices de taille n, enfin de taille n, n ou n plus 1, mais l'idée, vous n'avez rien d'autre comme propriété que toute matrice de taille n, triangulaire inférieure ou supérieure, l'un ou l'autre, on s'en fiche, a diagonale non nulle et de rang plein. Oui, mais là, la diagonale, elle n'est pas non nulle. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais si on ne considère pas la matrice A, mais si on considère la matrice que je suis en train de vous encadrer.
cette matrice qui ne prend pas la première ligne et qui s'arrête ici. Celle-là, elle est de taille NN, triangulaire inférieur à diagonale non nulle. Elle est donc de rang N, sûr et certain. Donc, puisqu'on a rajouté un coefficient à côté de cette matrice, le rang de cette matrice, il est au moins de rang N, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, on rajoute juste des choses. Tu prends une famille, tu rajoutes des vecteurs derrière, peut-être qu'ils sont liés, peut-être qu'ils ne sont pas liés. Ça va te rajouter du rang, ça ne peut absolument pas t'en enlever, c'est sûr. Donc c'est pour ça que c'est bien de travailler par plus petit que et par plus grand que. C'est juste ça qu'on veut faire. La sous-matrice, entre guillemets. Alors on peut l'écrire, hein, 1 sur n jusque 1 en diagonale. En dessous, c'était n moins 1 sur n jusque 1 sur n ici. 0, 0, 0 et que des 0 au-dessus. La sous-matrice de taille n est triangulaire inférieur. À diagonale non nulle. Elle est donc de rang n et rang de phi est donc forcément supérieur ou égal à n. Au final, rang de phi est égal à n. Et on a trouvé le rang de cette matrice. Il n'y aura jamais plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le pire qu'on va vous faire, c'est une matrice, vraiment dans n'importe quel exo, une matrice n plus n plus 1, triangulaire supérieur ou triangulaire inférieur, et il y aura, là c'est même pire que tout, vu qu'il n'y a même pas de colonne de 0. Le cas qui aurait été le plus naturel, c'est qu'il y aurait eu un 0 juste en dessous du 1, là, et ça nous aurait donné... ça nous aurait donné tout simplement une colonne de 0. Ok. Continuons l'exo. Je remonte pour voir les questions, dans quel ordre elles sont, et on va redescendre. Question d'après, montrer que le polynôme P0 défini par 1 moins x puissance n appartient à quart de phi. Hop. Donc je pose P0 de x qui vaut 1 moins x puissance n. Je veux montrer que c'est dans quart de phi. Qu'est-ce que je fais comme calcul ? Ça va pas être très compliqué, hein, je vais calculer phi de P0 et je dois montrer que ça fait 0, c'est tout. Alors je sais pas calculer phi de P0 sans passer à pour tout x appartenant à R, phi de P0 de x. Donc ça me fait du 1 sur n x 1 moins x. Pour le moment je vais l'écrire P0 prime de x plus x P0 de x. Donc la deuxième partie, ça me fait clairement du x 1 moins x à la puissance n. Qui me dérive 1 moins x puissance n sans se tromper. Ça fait quoi cette dérivée là? Concentré. Quelqu'un qui tente, mais en se concentrant. Il y a quelque chose à pas oublier. Il y a pas d'n moins 1, non, non. Bon! Je vais changer mon exo d'algèbre de DS de vendredi prochain pour qu'il y ait des calculs de dérivés dans mon application. Ethan. Parfait.
que je pensais, c'est que la seule chose que j'aurais pensé que vous auriez oublié, c'était le moins. Et non pas... Attention, c'est pas du N. C'est du N-1 là-haut. N-1. Le moins ici qu'il ne faut pas oublier, c'est parce qu'il y a une dérivée de composé. On doit dériver un moins x quelque part. Donc la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. C'est du nu prime u puissance n moins 1. N'oubliez pas dans toutes vos dérivées du u prime. Je vous le rappelle, si vous ne vous rappelez plus trop comment faire, pour pas rater ça, si c'est trop compliqué, on pose que c'est égal à grand x puissance n. Mais quand on pose une nouvelle lettre, il faut dans ce cas-là remultiplier par grand x prime. Et là, mon grand x, c'est... Enfin, il faut dire que c'est grand x puissance n prime multiplié par grand x prime. Et ici, mon grand x, c'est du 1 moins x. Donc, grand x puissance n, vous savez que c'est du nx puissance n moins 1, vu que c'est une dérivée de référence. Et la dérivée de 1 moins x, qui est le grand x prime, ça doit vous donner du moins 1, ce qui nous fait du n 1 moins x puissance n moins 1 fois moins 1. N'oubliez pas votre dérivée de la composée. Donc maintenant, si je mélange ça, j'ai un n qui va aller simplifier avec le 1 sur n qui est là en bas. Je vais me retrouver donc avec du moins x fois 1 moins x, si je regroupe mes 2 1 moins x, ça me fait du 1 moins x à la puissance n, plus x 1 moins x à la puissance n. Instantanément, ça me fait 0. Donc P0 appartient à quart de phi. Parfait. Pas besoin de remonter pour la question 3B, je sais exactement ce que c'est. C'est en déduire une base de quart de phi. Et là, c'est pas moi qui avancerai sur la question, c'est vous qui devez me trouver l'idée pour avancer sur la base de quart de phi. Parce que vous ne l'avez pas encore assez pratiqué de vous-même, alors que c'est un théorème très important. Comme j'ai dit, le mot théorème, ça aide un petit peu hein, dans ce chapitre. Hein, il n'y en a pas 36. Hein. Oui, il faut utiliser le théorème Durand. Qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème Durand? Il nous dit que la dimension de Rn crochet x, c'est le rang de phi plus la dimension de quart de phi. Oui. On a passé une question ? Ah mince ! Ça, c'était la 3B qu'on vient de faire ? Ok, je reviens là. Hop. Donc ça, c'est la 3C que j'ai commencé ? Je le fais juste après la 3C. J'ai juste oublié. Je le dis à l'oral et on l'écrit juste après la 3C, la réponse. Bah, est-ce qu'il était injectif une fois qu'on avait fait 2 ? Je l'ai fait, en fait, j'ai triché. 2, il n'y avait pas le rang, c'est ça? Il y avait le rang dans la question 2? Ok, précisez le rang de cette matrice. Ok. Est-ce qu'il est injectif, cet endomorphisme? Non. Pourquoi? On a triché, on a fait la 3B, tiens. Pourquoi il n'est pas injectif? Bah, 0, il y a un autre vecteur que 0 dans le noyau. Déjà, on vient de prouver à l'instant qu'il n'est pas injectif. Autre argument pour dire qu'il n'est pas injectif. On a un endomorphisme. Donc, s'il est injectif, il est en même temps surjectif et il est en même temps bijectif. Vu que c'est carré. Or, on a prouvé que le rang de la matrice, c'était n, alors qu'on est en dimension n plus 1. Donc, l'application n'est pas bijective, donc elle n'est pas injective. Fin de l'explication. Appliquons le théorème Durand. Et donc pareil, donc en fait, bah tiens, en fait j'ai dit que j'étais en train de faire 3C. Non.
Je vais faire 3A maintenant. J'applique le théorème du rang. La dimension de Rn crochet X, c'est n plus 1. Le rang de phi qu'on a trouvé, c'est n plus la dimension de quart de phi. Donc on est tous d'accord que ça nous donne que la dimension de quart de phi, ça vaut 1. Donc quart de phi, clairement, si la dimension de quart de phi est différente du vecteur nul, avant même d'avoir calculé P0 de x, c'est différent du polynôme nul de Rn crochet x. Or, ça, je vous l'ai fait apprendre, ça, c'est la caractérisation de l'injectivité d'une fonction. Donc, phi, non injective. Et donc, maintenant, on passe à 3C, mais c'est important d'avoir fait le théorème du rang. Est-ce que vous pouvez me trouver une base de quart de phi? Noix? J'ai pas compris. Oui. Alors, le polynôme P0, pas de x, sinon ça devient réel, donc le polynôme P0. Mais oui, on vient de montrer ici. Alors, là, ce qu'on apprend, c'est que la dimension, ça vaut 1. À la question d'avant, j'ai appris qu'il y avait un polynôme non nul dans mon noyau. Bah forcément, le noyau, c'est vect de ce polynôme non nul. Alors, si on veut l'écrire proprement, ce qu'on peut dire, c'est on a P0 qui appartient... Oula, j'ai oublié le appartient. Qui appartient à quart de phi. Donc, vect de P0 inclus dans quart de phi. Ceci, c'est de dimension 1. Ceci, c'est de dimension 1, par le théorème du rang. J'ai donc un espace vectoriel inclus dans un autre avec les deux espaces qui sont de même dimension. Donc, quart de phi, c'est vec de P0. Et P0. Base de quart de phi. Je pense que de toute façon, à ce moment-là, vous mettez directement quart de phi égale vec de P0 par les deux questions précédentes, donc P0 base de quart de phi, ça marche. Mais le petit raisonnement qui fait faire ça, il n'est pas inutile de le refaire plusieurs fois. Je vous rappelle, si un sous-espace vectoriel est inclus dans un autre et qu'ils ont même dimension, ils sont égaux. C'est une toute petite propriété de cours, mais qu'est-ce qu'on s'en sert souvent ? Au moins dans la compréhension des choses. Ok. Alors, c'est là où les questions vont s'énerver un tout petit peu plus. Enfin, s'énerver. Il va falloir faire un peu plus de calculs et s'en rendre compte un peu mieux. Alors. Je vous explique ce qui se passe pour la question 4, parce que là, c'est moi qui ai dû refaire le sujet, parce que le sujet initial, j'ai enlevé un peu trop le mot de vecteur propre associé à la valeur propre dans ce truc-là, pour essayer de le calmer un peu. Mais moralement, on va poser une famille pk de x qui est définie en haut de question 4. Ça, j'ai besoin de le reprendre, on peut le reprendre pour la suite. J'ai besoin de ce petit bout-là. Pour tout cas appartenant à 0n, on pose pk de x qui vaut ceci. J'ai dit, on pose... Ok, génial. Je vais le renoter en bas, c'est x puissance k 1 moins x puissance n moins k. Alors dans le vrai sujet, la question n'était pas détaillée. Hein. On pose ça. Et en gros, la question qu'on se pose, qui est toute la question 4, je m'en fous d'aller de 4A jusqu'à 4D, c'est montrer que P0PN est une base de Rn crochet X.
encore une fois, si vous avez un exo en dimension n, enfin n plus 1, si on vous pose ce genre de questions, 99% du temps, la réponse tiendra en une ligne. Ce sera que votre famille de polynômes, elle est ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé, de degré étagé. C'est-à-dire que le premier polynôme, il est de degré 0, le deuxième de degré 1, le troisième de degré 2, de degré 3, comme la base canonique. Et dans ce cas-là, instantanément, une famille de degré étagé, une famille de polynômes de degré étagé est libre. Si elle est libre et de cardinal n plus 1 en dimension n plus 1, c'est une base. Ça tient en deux lignes. Voilà pourquoi je voulais aussi faire cet exo. Dans vraiment la pire des horreurs qui peut vous arriver sur Terre, et là par contre j'ai vraiment un gros doute, ça ne tombera jamais en dehors des parisiennes, c'est que cette magnifique famille de polynômes, quel que soit K, le degré de PK, bah, si je l'écris comme un produit, c'est K plus N-K son degré par produit. Donc quoi qu'il arrive, le degré de PK c'est N. Cette famille n'est pas étagée en degrés. Donc la fameuse astuce que je viens de vous dire ne marche pas. Donc il va vraiment falloir prouver que la famille est libre par des calculs standards qu'on sait faire, donc en mettant que la somme des alpha k x puissance k, p de pk, pardon, est nulle. Problème, est-ce que vous pouvez me résoudre un système à n plus une équation? Non, vous pouvez pas. Il y a trop d'équations. Hugo? Imaginons que je t'aurais donné ça comme famille. Bah tiens, Trichon, je vous donne la famille QK, QK de X. Ce serait juste 1 moins X. Bah tiens, ce serait 1 moins X puissance N moins K. C'est ça ma famille QK de X. Dans ce cas-là, le degré de Q0, c'est égal à N. Ce qui est très strictement plus grand que le degré de Q1, qui est égal à N moins 1. qui est strictement plus grand que le degré de Qn, le degré de Qn étant de degré 0. Donc, Qk étagé en degré, ce qui implique, enfin, Qk pour k variant de 0 jusque n, la famille Qk est étagée en degré, ce qui implique que la famille Qk est libre. C'est une propriété de cours sur les qu'on a mis dans le chapitre 9, enfin dans le qu'on a vu en fin de chapitre 9. Puisque maintenant libre plus cardinal de Q0 jusque Qn est égal à n plus 1 est égal à la dimension de Rn crochet X, ça implique que Qk est une base. Ok, donc ça vraiment, ça arrivera, si ça doit tenir dans des exos type M Lyon machin, ça marchera comme ça. Hein? J'ai pas compris. Ouais. Si ça peut finir pour les dernières questions, et avec la notion de degré étagé, ça aurait pu finir pour vous. Par contre là, prouver que c'est une base sans que ce soit de degré étagé, je pense plus que ça peut vous tomber hors parisienne, ça. Parce qu'en fait, il n'y a plus qu'une seule solution. Est-ce que vous pouvez me résoudre un système de n plus une équation à n plus une inconnue? Non, vous n'en êtes pas capable. Comment on fait? On procède par récurrence. Et en fait, 100% du temps sur ces exos-là, procéder par récurrence n'est pas assez léger en rédaction, c'est horrible et ça marche pas. Il faut forcément procéder par récurrence forte. C'est-à-dire qu'il faut supposer que tous les alpha k sont nuls jusqu'à un certain rang et montrer que alpha k plus 1 est nul. Donc allons-y, faisons-le. Alors, montrons que P0, Pn libre par récurrence alors on va poser somme
pour k égale 0 à n des alpha k pk est égal à 0. Et notre propriété pn, c'est tout simplement pour tout k appartenant à 0n, alpha k est égal à 0. Ah, ok. Allons-y, initialisation. On va la faire pour n égale 0. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est montrer que pour tout cas, entre 0 et 0, alpha k est nul. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que alpha 0 est égal à 0. Donc, par contre, la seule propriété qu'on a, la seule chose qu'on a posée, c'est ceci. Donc, ce qu'on a, c'est que la somme... Donc, je vais écrire ce que ça veut dire en trois petits points, sinon on va pas s'en sortir. Ça, c'est la somme pour k égale 0 à n des alpha k pk de x. C'est égal à 0. Et donc, ça, c'est équivalent à ce que j'ai alpha 0, c'est 1 moins x puissance n, plus alpha 1, x 1 moins x puissance n moins 1. Plus alpha 2, je vais pas écrire ça, c'est x carré 1 moins x puissance n moins 2. Après, j'ai du alpha k x puissance k 1 moins x puissance n moins k. Et j'ai encore des trois petits points. Je vais aller jusqu'à alpha n. Et le dernier terme, c'est du x puissance n. Et ça, c'est égal à 0. Cette question, je la pose souvent et chaque fois que vous allez tomber sur un exo avec une fonction, je vous la pose. Combien est-ce que j'ai d'équations devant moi? Tout à fait d'accord, Amélie. Cette équation, c'est pour tout x appartenant à R. Et là, maintenant, c'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est, ce qui est dur, c'est de penser à la récurrence forte. Maintenant qu'on l'a, selon Claire, c'est pas dur du tout. Est-ce que quelqu'un voit comment on peut faire pour prouver que alpha 0 est nul? C'est vraiment pas très très dur. On va injecter, ouais, on injecte quoi? Dans le doute? On injecte x égale 0? Si on injecte x égale 0, bah en fait ça fait alpha 0 fois 1, plus alpha 1, ah il y a un x en facteur ici, donc ça fait fois 0, plus alpha 2 fois 0, plus, et on va aller jusqu'à alpha n fois 0. Donc ça c'est bien, ça c'est, enfin, si pour x égale 0, ça c'est bien équivalent à alpha 0 est égal à 0. Ok. P0. Vrai. J'aurais pas dû. Moi, ouais, j'ai fait du zèle ici. En fait, j'aurais pas dû vous écrire ma propriété PN comme ça. J'ai fait du zèle. En fait, en l'écrivant comme ça, j'ai pas besoin d'une récurrence forte. Une récurrence simple suffit. En fait, la propriété à prouver par récurrence forte, ce serait Qn, qui serait juste alpha n est nul. Et ça, c'est à prouver par récurrence forte. Si je mets déjà pour tout cas, je suis déjà en train de faire une récurrence forte dans ma propriété, en fait. Donc, soit on écrit une récurrence forte sur la propriété Qn, soit je rédige juste une récurrence simple sur la propriété Pn, ça marche aussi. Je vais continuer par récurrence simple du coup sur Pn, mais la propriété Pn est un peu plus lourde. Est-ce que vous comprenez qu'il faut juste que je suppose que les termes sont nuls jusqu'à un certain rang? Page d'après. Alors, et attention aussi, n est fixé dans... Enfin, ouais, j'aurais pas dû l'appeler n. Il y a vraiment un problème de notation, j'aurais pas dû l'appeler n. N c'est fixé, c'est mon dernier terme. Donc j'aurais pas dû l'appeler PN, j'aurais dû l'appeler, je sais pas, PJ ou QJ. Donc ce qui aurait été PJ, ça aurait été pour tout K appartenant à 0J, alpha K est nul, ou QJ, ce serait juste alpha J est nul. Donc maintenant, hérédité,
Alors. Je vais écrire les deux, mais on va faire qu'une seule preuve. Hein. Supposons. Alors encore une fois, N s'est fixé, donc je vais donner une autre lettre. Supposons que PK, vrai. Ou alors l'autre récurrence, c'est supposons pour tout J appartenant à 0K que QJ est vrai. La première étape, c'est juste une récurrence simple. Et la deuxième hypothèse que je poserais, ce serait pour une récurrence forte. Mais poser l'un ou l'autre, c'est la même chose. Moralement, j'ai que tous les termes de 0 jusqu'à K sont nuls. Donc moralement, la somme pour K égale 0 à N des alpha K PK est égale à 0. Elle devient juste alpha K plus 1 PK plus 1 jusqu'à alpha N PN est égale à 0. Il n'y a plus d'autres termes. Les termes de 0 à K sont nuls. Si je traduis ce que ça veut dire, ça implique que alpha k plus 1, alors je vais devoir l'écrire, c'est du x puissance k plus 1, 1 moins x puissance n moins k plus 1, plus, je vais écrire juste alpha k plus 2, ça ferait du x puissance k plus 2, 1 moins x puissance n moins k plus 2, et on va aller jusque alpha n, x puissance n est égal à 0. J'ai encore une fois une infinité d'équations. Je veux prouver que alpha k plus 1 est nul. Là, il y a une toute petite surcouche de calcul, et c'est ça qui rend cette question, c'est le deuxième point qui rend cette question dure. Si vous injectez x égale 0 là-dedans, vous trouvez 0 est égal à 0. Ça sert à rien. Il y a un truc de calcul à faire pour que ça marche. Est-ce que vous le voyez ou est-ce que vous le voyez pas? Et après, on a fini. Ethan? Par x? Mieux. Par x puissance k plus 1. C'est la puissance la plus petite qu'il y a. Après, c'est du k plus 2 et après, c'est du n. C'est forcément plus grand. Donc, c'est exactement ça. Si on factorise par x puissance k plus 1, ça va me donner du x puissance k plus 1 facteur de alpha k plus 1, 1 moins x puissance n moins k moins 1, plus alpha k plus 2 x, 1 moins x puissance n moins k moins 2, et on va aller jusqu'à alpha n x puissance n moins k moins 1. Ça donne que x puissance k plus 1 est égal à 0. Et ça, c'est impossible si on prend quel que soit x appartenant à R. Ou, vu qu'un produit est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. Alpha k plus 1, 1 moins x, n moins k moins 1. Plus alpha k plus 2, x, 1 moins x, n moins k moins 2. Et maintenant, dans cette deuxième équation, on injecte x est égal à 0. Il y a du x ici, il y a du x puissance n-k plus 1 partout. Si on injecte... Oui, Yanis? Parce que c'est une égalité de polynôme. C'est donc une égalité, quel que soit x appartenant à R. Si on injecte x égale 0, on obtient alpha k plus 1 fois 1 est égal à 0. Donc pk plus 1 vrai. Je fais pas la conclusion de la récurrence, hein, c'est toujours la même chose, la propriété pn est héréditaire. Voilà, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Je préfère 100 fois qu'on l'ait fait une fois et que ça vous paraisse dur, que ça vous tombe sur le coin de la figure et que vous ne l'ayez jamais fait.